toujours quand j'ai besoin de toi. J'ai un pouvoir, c'est pas possible. Il y a un moment où tu n'as pas besoin de moi. Très drôle. L'homme politique ivre que tu m'as demandé de ramener. Nous avons eu quelques ennuis. Quelle horreur! Je suis content de voir que toi, tu n'as rien. Oui, et par chance, nous avons survécu tous les deux. Oh, je vois. Merci d'être venu me l'annoncer. Tu as l'air déçu. Non, simplement impressionné que tu aies pu sauver vos deux vies. Tu disais que tu avais besoin de moi? Oh, tu es tellement professionnel. Bon, c'est très simple. J'aimerais que tu retrouves une chose qui a une grande valeur sentimentale. Que faut-il retrouver? C'est un Olisbos. Si tu le voyais par terre, même toi, tu ne te pencherais pas pour le ramasser. Mais j'y tiens beaucoup. Cela me ferait très plaisir de l'avoir de nouveau en main. Je trouve que ça ressemble à de la sensiblerie. Tu te ramollis. Ah, je suis tout sauf mou, je peux te l'assurer. Concentre-toi, Alcibiade. C'est quoi un Olisbos? Une source de plaisir. Quand la nuit se prolonge et que je n'en peux plus, un de ces objets permet de continuer à s'amuser. Tu es un grand garçon. Va le chercher toi-même. D'accord, mais il est possible que la femme qui le détient en ce moment ne soit pas ravie de me revoir. Il doit être spécial, cet objet. Quand tu verras cet Olisbos, tu comprendras. Et quand tu le tiendras en main, contre ta peau, quand tu sentiras tout son poids, là tu sauras. Chaque fois que je te vois, j'ai l'impression que tu vas coucher avec quelqu'un, ou que tu en as envie, ou que tu viens de le faire. Cette femme est ta dernière conquête. Ai-je dit avoir couché avec elle? On pouvait le penser. Comment trouves-tu le temps de faire autre chose? Par détermination. Il existe une proximité que ces instants sont les seuls à pouvoir apporter, et qui n'aime pas la proximité. Je vais te rapporter l'Olisbos. Il n'est pas impossible que cette femme désire le conserver pour me punir. Il est sans doute préférable d'agir discrètement et rapidement. Elle habite à l'est d'ici. Ne t'en fais pas. Tu l'auras très bientôt. Il est en pierre. J'imagine que c'est cet objet. Ah, c'est lui dans ta main! Tu l'as rapporté. Il est différent du souvenir que j'en avais, et nettement plus gros. Il va beaucoup lui manquer. Il n'a jamais été à toi, n'est-ce pas? Tu m'as envoyé le voler. Nous n'avons pas volé qu'un Olisbos. Nous avons volé un objet de famille et la confiance d'un mari. Sans lui, il s'occupera plus de sa femme que de ses affaires. Et je pense en toute sincérité qu'elle appréciera ce changement. Alors, c'est bien sentimental, mais pas pour toi. La seule chose qui compte, c'est que tu aies récupéré cet Olisbos et que tu m'aies rendu un grand service. Et moi, dans tout ça? Allons, nous ne sommes pas des étrangers, n'est-ce pas? Je vois bien que tu ne me refuses jamais un service. Tu veux que je te montre tout l'intérêt de cet Olisbos? À vrai dire, tu as excité ma curiosité. Essayons-le. Je savais que tu étais ouverte à tout. C'était particulier. Oui, c'est différent, mais tu t'y feras. Oh, j'espère que tu as raison. Thank you.
Hein? Allez, hu! Attention! C'est un beau cheval, Socrate. C'est un très beau cheval. Un cheval robuste, mais aussi un cheval volé. Socrate, le voleur de chevaux. J'entends déjà ce qu'on va raconter. Ça va plaire à Aristophane. Malheureusement, ces histoires seraient fallacieuses. Mais j'aimerais savoir si, ayant appris la vérité, tu penses toujours que l'histoire devrait être racontée. Et quelle est cette histoire? L'homme responsable du vol de ce cheval est près d'ici. J'ai réfléchi à ce qu'il convenait de faire. Mais j'aimerais savoir ce qui, à toi, te paraît approprié. Et comment devrais-je prendre ma décision? Ton raisonnement t'appartient. Mais parler au voleur pourrait t'aider à décider. Un tel crime peut-il être justifié? C'est une idée intéressante. Où est le voleur? Je lui ai dit d'attendre près de l'écurie, au sud-ouest. Si tu l'as surpris à voler un cheval, qu'est-ce qui te dit qu'il ne s'est pas enfui? L'espoir de garder le cheval, voyons. Et c'est là que tu interviens. Il te racontera la suite. Doucement. Mieux vaut rester caché. Tu n'as pas le droit de venir ici! Si je mets la main sur toi, je vais t'enterrer, moi. Allez. Thank you.
Prends ton destin entre tes mains et viens naviguer à bord de mon navire. Essayer de ne pas me faire voir. C'est le voleur. Tu ne m'échapperas pas. C'est toi qui as volé le cheval ? Socrate m'a dit de venir te parler. Me faire prendre, c'est une chose, mais me faire juger par une mystios ? C'est mieux qu'un garde d'Athènes. Qu'est-ce que tu as à dire ? L'homme à qui je l'ai volé ne s'en rendra même pas compte. Il en a plein d'autres. Moi, mon seul cheval est mort la semaine dernière. Si j'avais eu de quoi m'en acheter un, je l'aurais fait. Tu as volé ce cheval pour t'en servir ou pour le vendre ? J'ai une famille à nourrir. Et ce cheval me sera utile à la ferme. Et je n'ai pas d'autre moyen de me déplacer. Tu n'avais pas d'autre solution ? Non, je n'en ai trouvé aucune. Crois-moi, j'ai honte de ce que j'ai fait. Il y a une raison qui t'a poussé à choisir ce cheval ? C'était le plus facile à voler. À part ça, non, pas vraiment. Mais j'ai veillé à ne pas prendre son meilleur cheval. Délicat comme voleur. Je n'ai pas fait ça pour m'amuser. Je l'ai volé parce que je n'avais pas le choix. J'ai assez d'éléments pour prendre ma décision. J'espère que tu comprends. Tu n'aurais pas fait la même chose pour ta famille ? As-tu choisi ce qu'il faut faire ? S'il a plus besoin du cheval que l'homme à qui il l'a volé, qu'il le garde. Il lui sera plus utile. Donc,
déterminer si un méfait mérite un châtiment ou une récompense dépend de ses motifs. C'est une pensée intéressante, même si je perçois à quel travers elle peut conduire. La vraie question est, ma décision compte-t-elle vraiment? Ou est-ce encore une occasion de savoir ce que je ferai? Il est possible que ce soit les deux. Ou peut-être ni l'un ni l'autre. Tu fais exprès de te montrer nébuleux. J'ai encore une chose à te demander. Si un homme tue une personne pour en sauver plusieurs, peut-on considérer que son acte est juste ou que cet homme doit être puni? Si l'acte dispose d'un motif qui le justifie, son auteur a eu raison. Donc, en la circonstance, c'est à des gens comme nous de déterminer la loi. Or, beaucoup pensent qu'un meurtre mérite d'être puni. Ce qui l'a sauvé ne serait pas de cet avis. Alors, peut-être que le bon chemin est celui qui assure le bien du plus grand nombre, ne crois-tu pas? C'est bientôt fini. Je n'ai pas toute la journée, moi. J'entends bien. C'est un luxe que bien peu peuvent s'accorder. Et ceux qui en ont le temps sont souvent dépourvus des capacités requises. D'accord. Je dois rester hors de vue. Ma parole, mais j'ai vraiment un pouvoir! Je t'ai dit l'autre fois que je te faisais apparaître quand j'en avais besoin, et ça s'est encore produit. Bon, qu'y a-t-il cette fois? Il faut emmener mon ami ici présent au sanctuaire d'Eleusis, près de la frontière de Mégaris. Il se débrouillera ensuite pour franchir seul la frontière. Bon, tu comptes me mentir maintenant ou plus tard? Qu'est-ce que tu veux dire? Cet ami, c'est vraiment un ami? Je ne vais pas découvrir que c'est un criminel recherché ou qu'il ne veut pas du tout de ton aide. Alors, sache que je trouve ces accusations blessantes. Une relation doit reposer sur la confiance. Assez, Alcibiade. Si tu veux ma confiance, montre-t'en digne. Tu m'as menti, plus d'une fois. Nous avons des conceptions différentes de la confiance, voilà tout. Je t'ai caché des choses, mais pas par malveillance. Venons-en au fait. Je suis censée emmener ton ami jusqu'à la frontière? Oui. Et rien d'autre? Discrètement, si possible. Évite les routes, les rencontres. Soyez invisible. Mon ami ne doit rien risquer. Je vais veiller sur lui. Voilà ce que j'espérais. Quand tu me demandes de faire quelque chose en secret, quelqu'un finit par mourir. Que veux-tu cette fois? Tout le monde n'a pas ta magnifique musculature faite pour... faite pour tout. Mais certains ont intérêt à éviter le combat. C'est tout ce que je te demande. Les itinéraires sûrs ne manquent pas dans cette région. Dis à ton ami d'y aller seul. Il le pourrait. Mais s'il lui arrive quelque chose et que tu le sauves... Imagine un peu tout ce que je te ferais par gratitude.
Mais pourquoi fais-tu toujours appel à moi? Tu as prouvé ta valeur. Et puis, j'aime bien te regarder en train de partir. Mettons-nous en route. Tu dois le mener au sanctuaire d'Eleusis. Ce n'est pas loin, mais ça risque d'être plus long que d'habitude. Ce ne sera pas un souci. Je suis heureuse de ne pas prendre le bateau. Ils vont se montrer très vigilants. Alcibiade m'a parlé de toi. Il dit que tu as la bénédiction des dieux. Avance. Allez, on y va. Ah, Imi, fauvons mes procalis. On y va. On y va maintenant. Hey. C'est mieux. Je commençais à avoir chaud sous cette capuche. Tu es une femme? C'est gentil de le remarquer. Alcibiade a dit... Ce que je lui ai demandé de dire, c'était plus sûr comme ça. Je dois beaucoup à Alcibiade pour son aide.
et pour t'avoir confié ma vie. Assez de mensonges. Dis-moi ce qui se passe. Je me suis fait passer pour un homme pour ne pas être reconnue. Je devais fuir mon mari. Et tu fais confiance à Alcibiade ? Personne n'échappe à mon mari. Il me retrouverait. Ça a été difficile, et je ne sais pas si j'aurais pu tenir plus longtemps. Laisse-moi deviner. Alcibiade te devait un service, ou il sait que tu lui en devras un désormais. Je ne suis pas sûre de te suivre. Il ne m'a rien demandé, comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Et je sais qu'il a aidé beaucoup de personnes, sans jamais rien exiger en retour. Heureuse d'avoir pu t'aider. Remercie Alcibiade pour moi. J'aimerais avoir plus à lui offrir, ainsi qu'à toi. Je ne vous oublierai jamais. Tous ces jeunes mystios qui veulent se faire un nom. J'ai l'œil sur toi,